Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un objet perdu. Alors, est-ce que Kiki est toujours dans le coin? Sinon, j'irai voir. Je vais aller voir Miss Tigrée. Ah bah si elle est là, c'est bon. Heureusement qu'il donne des indices, hein, c'est tellement plus simple maintenant. C'est tellement plus simple qu'ils nous disent ah tiens, je crois que machin doit avoir ça ou machin devait l'avoir. C'est un peu étrange, mais ok, je garde. Jupe en fausse fourrure. Oh, est-ce pas ouf, hein? Ça, je veux bien le garder, mais la jupe, je vais la revendre. Alors finissons de chercher les fossiles et tout et tout. Oh, j'ai bourré Kiki, désolé. Elle tombe dans l'eau. Bien fait. Ça me va, un rocher rempli que de pierres et de pépites de fer. Il faut que je refasse mes stocks de pierres et de pépites de fer, donc tout va bien. Je vais aller voir s'il n'y a pas de fossiles enterrés par là.
Ça fait mon combienième? 3 ou 4e, non, là? 3e. C'est bien calme aujourd'hui dans le chat. C'est peut-être parce qu'il pleut. N'y a pas de trucs intéressants à ramasser le long de la plage. Puis le reste, j'avais vu. Donc il me manque encore un fossile. Tu pourrais bien dire des bêtises, mais tu comptes sur ton naturel. Ah non, mais tu peux raconter des bêtises, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas. Je vais pas te ban pour ça, ou te time out. C'est juste Nightbot qui time out si tu spammes trop de fois la même lettre, ou le même emoji. Pourquoi demain tu vas être salé comme jamais? À cause du rerun? Ah bah oui, mais Sandalfon, best husbando, best Sandalfon. Ça, même les scientifiques sont d'accord. Ah bah oui ça. Mais faut voir le bon côté des choses, on va pouvoir lui casser la gueule. Ah bah tiens. Alors, est-ce que c'est le même? C'est le même que celui que j'ai! Bon, bah pour le coup, j'irai le revendre. Oh, je vais le filer à Mistigri, allez. Je vais le filer à Mistigri. Tiens! Oh, c'est tout mignon sur elle, ça lui va trop bien. C'est trop chou. Ça alors, il me manque encore un fossile.
Bah alors, il est où? J'en ai bien que trois, hein. Oui, j'en ai bien que trois. Bah, c'est fort, ça. J'ai perdu un fossile. Et je parle pas de ceux des yeux. J'en mets jamais. Bon, ben on est reparti pour un tour de l'île. Il y a un endroit que j'ai pas exploré. Attendez. Il y a un endroit que j'ai pas exploré. Ah, il est là. Et voilà. C'est bon. On a tout. C'est quand qu'il y a le dernier rallye? C'est demain? Donc il y aura le dernier rallye en même temps que le début du rerun de Triple Zéro, c'est ça? Tu m'attendras pour taper le boss? Parce que la dernière fois, j'ai même pas eu le temps de me lever que le boss, il était déjà mort. Après, s'il est déjà fait, je le referai dans mon coin, c'est pas grave. Oh, là, on en a trois à donner, nice. Anomalocaris. Ben, c'était une bonne recherche de fossiles. On va aller à l'inauguration. Il a toujours ses lunettes.
Avec ses lunettes, Axel, je... Théo qui se bouffe les portes. Pensez à boire de l'eau, les gens. Ok, donc plus d'objets. Ok, donc j'ai encore 70 000 clochettes en réserve, ça va. Alors, ce pont. Dans l'idéal, ce serait de le construire par là. Je vais enlever le réverbère pour l'instant. Je pense que je vais terraformer un petit peu. Du coup, il y a un micro-courant là. Ah d'accord, je peux le traverser juste comme ça. Le pont le moins utile du monde. On va faire genre comme ça. Bah alors, t'es passé à l'aller, tu veux pas passer au retour? Au secours!
Putain, mais ça a marché à l'aller, pourquoi ça marche pas au retour? Au secours! Pourquoi elle a bien voulu enjamber tout à l'heure et là elle veut plus? Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Bon, ben on va enlever la clôture, vu que madame veut pas passer quand je lui demande. Non mais. Voilà. Heureux. Et du coup, ça fait que j'ai un, deux, trois, quatre et un cinquième pont en approche. Et j'ai deux, quatre, cinq rampes. Ça va. J'ai des trucs à vendre donc, mais pas tant que ça au final. Ah oui, cet arbre-là, j'avais dit que je le découperais pour que je l'abattrais pour remettre une clôture parce que c'est un peu n'importe quoi. T'as fait des pancakes? Oh oui! Oh oui, je veux! Ah ouais, tiens d'ailleurs, attends, je vais créer un truc bouffe. Ouah, trop bien. Oh, quoique, on peut mettre ça sur divers. Pas besoin de forcément de faire un truc. Oh mais non, t'inquiète. T'inquiète pas. Ah oui, là, est-ce qu'on met ça dans art, franchement? En plus, ils sont trop jolis. Bon, je vais leur acheter ça, c'est vraiment pour que ça grandisse. J'ai déjà acheté j'ai déjà un chariot de service, mais je vais le racheter. Et je vais aussi acheter une cage à hamster. La cage à hamster, je vais la garder par contre. On va pêcher un petit peu, puis on fera un peu de GBF versus après. Ah oui, trop bien.
je suis pour l'IRL pancake. Encore, toi et moi, Néméa, ça va, on n'est pas trop loin. Autant avec Iva, ça va être un peu plus compliqué. J'attends de voir. Ok, je peux relancer le bouchon. Ah bah bien. Merci. Un milkshake banane maison. Waouh, ça a l'air trop bon. Oh, yes! 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 Je savais bien que ce poisson-là, il était gros aux vibrations, mais alors je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Le seul truc chiant quand t'habites dans le centre, c'est que... parce que j'ai des amis qui habitent dans le centre, donc je sais un peu, c'est que pour y aller, t'es forcément obligé de passer par Paris. Avant, il y avait des lignes de bus qui faisaient directement Rennes-Lyon, et donc qui faisaient un arrêt à Clermont-Ferrand. Et ça m'arrangeait parce que du coup je prenais ça. Mais maintenant ces bus-là ont été supprimés. Et du coup le seul moyen pour moi d'aller voir mes amis qui habitent dans le centre, c'est ben, de prendre le train et de passer par Paris obligatoirement. Et je trouve ça con. Ce qui du coup fait que ça coûte plus cher. Parce que quand tu passes par Paris, ça coûte toujours plus cher. Bah les bus ils font plus la liaison directe Rennes-Lyon en passant par Clermont-Ferrand justement. Et la plupart des bus pour faire mettons en deux étapes qui feraient le trajet Rennes-Paris-Paris-Clermont, ils ont une pause à genre 2-3 heures du matin. En pleine nuit à Paris, il faut attendre 1 heure. C'est pas trop mon truc. C'est pour le coup, j'ai pas super envie d'attendre 1 heure la nuit tard, seule dans les rues de Paris, juste pour faire un changement de bus. Donc non merci. Du coup, c'est chiant quoi. Ah oui, effectivement, Bourgogne, ouais, c'est clair que ça fait une sacrée trotte aussi. Une sacrée totte. Une sacrée trotte. Une gobie! Ah par contre, si c'était le cas, si on se faisait une IRL, moi je peux accueillir 2 personnes chez moi. J'ai un canapé-lit, 2 places dans le salon. Éventuellement, j'ai une petite chauffeuse en plus, mais je garantis pas le confort du sommeil dessus. Merde. Parce que je sais pas à quel point c'est confortable ce genre de truc, ou à quel point ça ne l'est pas. Wow, 2 chambres et une mezzanine où vous pouvez loger 8 personnes avec des sacs de couchage. Trop bien ça!
Ça, c'est cool. Alors, par contre, tu dormiras pas avec les chats parce que les chats dorment avec moi. Je me concentre. Parce que... Oh, ça vibre fort là. Un bar. Parce que... La nuit, je ferme l'accès au salon. Et du coup, ils sont coupés du salon en étant dans ma chambre. Donc, pas de dodo avec les chats. Parce que si je laisse les chats la nuit dans le salon, j'ai peur qu'ils fassent des conneries. S'il y avait que Nissi, il n'y aurait pas de problème, je pourrais laisser ouvert. Mais il y a Noctali et surtout il y a Sora. Donc, nope. Mais ouais, go ramener Fonfon. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir autant de place, Nemea. Ça, c'est cool. C'est clair que ouais, pour les réveillons et les fêtes, c'est... T'as de quoi faire niveau logement, là, vous êtes plutôt pas mal. Genre, t'as pas vu le bouchon. Oh là là, c'est un gros poisson, ça. Yes! 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 Les clochettes! À moi les clochettes! Et plutôt que de frapper la peluche, tu pourras frapper Bélial dans GBF versus. Ouais, c'est beaucoup plus rentable la pêche aujourd'hui que la pêche d'hier, hein, franchement. Deux poissons rubans, on se met bien. C'était quoi ça le meuble déjà? Ah oui, la cage à hamster que je voulais garder. Deux poissons rubans, je crois que ça vaut 9000 clochettes. Déjà rien que ça, on est bien. C'est quand son DLC qui sort déjà? Ça va être un bar, ça. Je me souviens plus. En automne? Ah oui, il y a le temps du coup. Oh, ça vibre. Un bar? Oui. Oui. Ah, crotte de bique. Toute manière, maintenant je m'en fous, j'ai fait mon au fait maître pêcheur, c'est pas grave si je rate des poissons. J'ai réussi les 100 d'affilée. Maintenant, je peux pêcher n'importe comment. Je suis libre. Finalement, je me sépare de la cage à hamster, mais je pourrais toujours en racheter maintenant, je sais, que je l'ai commandée au moins une fois. Ah bah dis donc, ça vibre fort. C'est un bar.
sais pas s'il va se tourner. Non. Alors, je suis comme en niveau place là. Encore un poisson. Là, il y en a un petit. Je vais voir s'il n'y en a pas un gros par hasard. Et eh bien ce sera un petit. Tout petit, petit, petit. Oups. Ah tiens, d'ailleurs, faut que je demande c'est quoi l'article phare aujourd'hui. Rien que ça. Vraiment. Le meuble à gauche, tu veux la boisson protéinée? Tu veux la boisson protéinée? Ok, je t'envoie ça. C'est pour faire sa muscu quotidienne, c'est ça. D'ailleurs, il existe dans le jeu un costume musclé. Genre, tu l'enfiles et t'as des muscles sur toi. Oui, elle est très jolie la robe. Je la mettrai demain. Je la mettrai demain. Elle est super jolie la robe d'Alice. Alors j'en ai deux. Et pour faire l'arowana en or, il en faut trois, je parie. C'est ça, il en faut trois. Donc pas d'arowana pour moi. Oh mais j'ai envie de la porter demain. Elle est vachement belle. Thank you.
C'est comme tout à l'heure, t'étais peut-être pas là, Nemea, mais je vais te montrer. Iva m'a envoyé un message. Voilà, j'ai marqué l'URL en entier et c'est le Rickroll. Donc du coup, j'ai laissé passer la chanson 2 minutes avant de couper pour pas que ma VOD se fasse claim, mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, je voulais m'occuper de mon remboursement de prêt un petit peu. Du coup, ça m'avait fait beaucoup rire. Marie a fait dodo. Bon, et ben voilà, on a enfin Momo qui va venir s'installer. C'est une première victoire. Demain, Kolala part. Et à partir de demain, on s'attaque à Prince. Dans le campement de Animal Crossing New Horizon. Du coup, c'est tout pour Animal Crossing aujourd'hui. On va switcher sur GBF versus ceux qui ne veulent pas voir GBF versus, eh bien je vous dis à la prochaine, des bisous.